Hello, hello tout le monde, comment allez-vous les amis? Comment va surtout ma petite team Yandere? Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur une nouvelle vidéo, enfin pour une nouvelle vidéo Yandere Simulator. Les raisons, c'est très simple, c'est qu'en ce moment, il y a vraiment zéro truc intéressant. Soit sur le jeu, genre les matchs qu'on a, c'est juste des changements de coupe de cheveux sur certains personnages ou des corrections de bugs, tout ça. Il y a vraiment rien qui se passe par rapport à Yandere actuellement. Mais je vous ai dégoté un mode qui a l'air incroyable quand je l'ai vu. Il y a l'air d'y avoir vraiment beaucoup de trucs, tu vois, à faire dessus et à découvrir. Donc je me suis dit, ça peut vraiment être sympa. C'est un mode d'hiver, donc on va toujours rester un petit peu dans l'ambiance hiver, peut-être même carrément un peu des fêtes, un petit peu Noël et tout. Donc je me suis dit, bah, ça peut être cool, voilà, de bien commencer l'année 2022. La première vidéo Yandere, du coup, de cette année 2022, qui fait toujours autant le jeu, mais c'est juste que pas grand-chose à faire, quoi, hein, actuellement sur le jeu. Bien dommage, hein, mais vous inquiétez pas, on va rattraper tout ça, on va aller directement découvrir ça. J'espère que vous êtes chauds, j'espère que vous êtes prêts, les amis. Si oui, on perd pas de temps et on est directement parti. Et regardez les amis, on commence directement, mais très très fortement, parce que regardez la chambre, à quel point elle est décorée. Genre, il y a des modes, il y a vraiment zéro modif dans la chambre ici. Elle est vraiment full décorée, on a même carrément un bonhomme de neige. On a une sorte de pseudo Olaf qui est là actuellement dans notre chambre. Notre parquet, c'est devenu un parquet un petit peu esprit de Noël, tout ça. On a un sapin de Noël aussi également. Et je ne l'avais pas tout de suite vu, mais on a également un tout petit bonhomme de neige qui se trouve dans la chambre. Donc déjà à partir de là, tu sais que si la chambre a subi des modifs pareils, on peut s'attendre vraiment à un mode de qualité avec pas mal de changements. Bon, par contre, le basement, voilà, il faut pas trop en demander non plus. Hop, en même temps, il n'y a pas grand chose à transformer. Oh là, ok, on a carrément un écran de chargement spécial Noël avec des flocons de neige. On a Taro qui est là, on a Osana et on a également Ribaru qui sont là d'ailleurs très très beau pull. Taro là, I hate Christmas, je déteste Noël. Très bien, je vois que Taro a la joie de vivre aujourd'hui, ça fait plaisir. Ok, c'est bon, je pense que les bugs du coup sont passés et regardez-moi ça. Déjà, petite musique de Noël comme on peut l'entendre en fond. Par contre, vous faites pas trop esprit de Noël là. Et pourquoi vous me suivez là? Là, des fantômes comme ça, à moins que ce soit des fantômes de Noël, ça fait plus Halloween que Noël pour le coup. Mais attends, vous êtes qui? Parce que vous me suivez là et ça m'énerve. J'ai envie de savoir qui vous êtes. Alors attention, c'est Present Christmas Spirit. Ah, voilà, c'est des esprits de Noël en fait, tout simplement. Elles sont plutôt mignonnes en vrai pour des fantômes. Past Christmas, ok, le passé 1987 Christmas. Ah, ok. Elle a essayé de changer, je crois, à Ryoba, mais elle a échoué. Ok, ok, ok. Il doit y avoir pas mal de personnages quand même. En tout cas, c'est vraiment joli. Hein. Rien que ça, les cerisiers là, on sent qu'il y a une petite couche de neige dessus. On a également de la neige sur le sol. Et tous les élèves sont habillés en mode Noël. Et franchement, ça rend super bien. Ah, c'est quoi ça? Regardez. Il y a des petits trucs là. Ah, ils ont des guirlandes, carrément. Ok. Il y a des petits symboles de guirlandes. Ouais, j'avais pas vu. Regarde-moi ça, les deux bonbons gigantesques là qui se trouvent juste devant. Comment ça s'appelle? C'est encore canne à sucre, non? Non, sucre d'orge, voilà, excusez-moi. Canne à sucre, ça n'a rien à voir. Tu peux retrouver dans Minecraft, ça n'a rien à voir. Ah, il y a même un jeu à faire. Attends. Monnaie, speed, téléport, weapon, réputation. Ah, je crois qu'il y a des cadeaux à récupérer qui te donnent des capacités ou des pouvoirs et tout. Mais c'est trop bien. On va quand même faire vite fait un petit tour de l'extérieur quand même, histoire de voir s'il y a eu des gros changements ou pas. Surtout la neige qu'on va avoir hein, dans ce mode là à l'extérieur. À moins qu'il ait peut-être ajouté des sapins de Noël, tu vois, c'est possible. Et peut-être que moi j'ai moi-même une tenue de Noël. On va quand même regarder vite fait avec le pause mode s'il n'y a pas un truc que je pourrais avoir une tenue, tu vois. Écoutez, j'ai regardé et non, il n'y a pas moyen, mais. Par contre, dans les douches, peut-être que là, nous avons une tenue un petit peu spéciale. Spéciale Noël ou pas. On va regarder vite fait. Le gym uniforme, qu'est-ce que ça donne, du coup? Le gym uniforme, non, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Je pense pas qu'on va avoir une tenue de Noël, les amis. Regarde le maillot de bain, ouais, non. Donc, on va rester en uniforme scolaire hein, pour cette fois. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Mais ouais, à mon avis, pas énormément de choses à voir. Je vais quand même aller checker un endroit. C'est le jardin, en fait, de l'école. Écoutez, non, c'est limite l'endroit où il y a le... Ah, j'ai trouvé un cadeau, par contre, putain. J'ai bien fait de venir. Je sais plus à quoi il correspond ce cadeau-là. On va ouvrir, du coup. Waouh, je me suis téléporté ici, mais c'est trop bien. Mais des cadeaux magiques et tout, c'est incroyable, les amis. Là, vraiment, pour un retour sur Yandere, c'est incroyable. En plus, regardez, on a l'autre cadeau qui est là. Waouh, j'ai plus 300 de vitesse pendant 10 secondes. Mais c'est trop bien. C'est trop bien d'avoir des cadeaux comme ça qui te donnent des capacités spéciales. Au moins, ça nous permet de directement avoir une vue sur le toit. Et en vrai, il est très joli, il rend très bien là, avec les trucs de Guy, les petits sapins Noël sur les portes et tout. Non, franchement, c'est cool. Notre objectif, ça va être de trouver tous les cadeaux. Ah, bah, il y a un cadeau là-bas. Il y a un cadeau là-bas aussi. Il va falloir aller dehors. Et regardez, je l'ai pas vu. L'énorme sapin de Noël, là, il remplace le cerisier de confession. Cette guirlande, là. Et en vrai, je pense qu'on est tous et toutes d'accord. Pour tous ceux qui aiment Yandere,
Ce mode, il est vraiment, vraiment cool et ça fait trop plaisir de le découvrir ensemble. Franchement, je suis trop content là. Ça me rappelle à quel point je kiffe Yandere. Ah, il y a des guirlandes de partout. C'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Même le tapis rouge là, j'avais pas fait gaffe. Ça rend super bien. On va aller voir le directeur. Tiens, oh, quoique avant, regardez, il y a un cadeau ici. Non, on l'ouvre. Ça fait quoi ça? Wow! Wow, 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 what the fuck. Ok, c'est comme ça qu'on augmente sa réputation dans ce mode. On tape notre meilleur crawl dans le vide et voilà, et ça augmente notre réputation. Ok, pourquoi pas, c'est original au moins. En bas à gauche, il est mis que notre réputation en gros sera changée après la classe. Ok, pourquoi pas. Là, on a le directeur qui a un sapin de Noël ici, là. Ok, très bien, ça va être une arme. Le sapin de Noël, ça va être une arme. Ils sont en classe, là, les membres du conseil, là, je sais pas trop. Mais on va voir les shots, là, vite fait, là. Est-ce qu'il y a le fantôme qui est là, là? Ouais, elle est là, toujours là, bien évidemment. Dans les pièces, il n'y aura pas de changement, mais là, je veux vraiment aller voir les autres cadeaux, là, pour voir les capacités et tout qu'ils vont nous donner. Ah bah, en parlant de cadeaux, justement, il y en a un ici. Alors, le rouge, il fait quoi? Il est très joli, le rouge, en tout cas. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Plus 50$. Allez, let's go! C'est clairement Noël, là, pour Ayano, putain. Info-chan, elle n'est pas trop esprit de Noël, hein. Elle est toujours esprit informatique, hein. Toujours les esprits de Noël qui sont là, là, près de moi, là. Ça me perturbe, ça me stresse. Du coup, ouais, je dois regarder absolument partout pour voir si j'ai pas loupé de cadeau, parce que ça tombe, regarde. Ouais, ça m'aurait étonné, parce qu'il y avait déjà un cadeau dans la pièce, mais ouais, il faut vraiment que je regarde partout, même dans les chiottes et tout. On sait qu'il y en a deux encore dehors à récupérer. Ça m'étonnerait même pas que. Non, on sait jamais, mais non. Je trouve un cadeau gold ici, là. Hop. Attends, ça fait quoi ça? Waouh, Christmas tree. Oh, trop bien, c'est une arme par contre. Attends, on va peut-être le récupérer après le sapin, mais c'est incroyable par contre, c'est vraiment incroyable. Eh ben allez les amis, s'il vous plaît, abonnez-vous. Eh ben s'il vous plaît, abonnez-vous les amis. Si ça vous intéresse, eh ben n'hésitez pas à le faire. Ah, eh ben voilà, il y en a un ici de cadeau. Alors attention, celui-là, ça m'augmente ma vitesse, c'est parfait. Ça va me permettre d'aller un peu plus vite là pour continuer de chercher les cadeaux. Ok, là il n'y en a pas ici. Là il n'y en a pas. Ok, hop, on va... Attends, cafétéria là. Non, c'est des canettes tout à fait basiques. Ok, allez, on redescend. C'est trop bien de courir comme ça, genre en vrai. C'est beaucoup trop stylé. Ah, mais je les avais pas vues, elles. Voilà, c'est pour changer de tenue. Ouah, celle-là a l'air trop bien. Oh là 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 là, regardez ça, comment elle est belle, Ayano, comme ça. Elle est super belle. Par contre, c'est quoi ça? Oh là là, en jaune comme ça, là. Il y a vraiment des belles tenues, hein. Il y a eu un gros travail par rapport aux tenues qui ont été faites. Ah ouais, non, franchement, c'est stylé de ouf, hein. Et là, il y a deux couleurs, en fait. Il y a rouge. Et il y a... Ah non, il y a comme ça aussi. Oh, comme ça, elle est bien aussi. Mais ça fait moins esprit de Noël, mais ça fait vraiment des belles tenues, hein. Franchement, c'est trop stylé. Je vais la garder en rouge. Rose, c'est sympa aussi. Comme ça, là. Franchement, ça, c'est super bien, là. Là, il y a un cadeau dans l'infirmerie. Let's go! En fait, c'est une sorte de chasse au trésor. Ok, je vais augmenter ma réputation. C'est parfait, ça. La salle des profs, hein, qui sont aussi habillés, comme vous pouvez le constater, en mode Noël. Cadeau, là, ici. Hop. Voyons voir, ça fait quoi, ça? Wouh! Ça m'a téléporté dans les douches de l'école. D'ailleurs, je voulais voir s'il n'y avait pas oublié un truc ici, là. Parce que ça tombe, il y a un cadeau dans les douches. Non, il n'y a pas de cadeau dans les douches. Ok. Mais au moins, cette téléportation va me permettre d'aller dehors. Déjà, aller voir un petit peu le sapin de Noël là-bas. Il y a un cadeau devant. Et on sait qu'il y a un cadeau aussi là. Je vais d'abord prendre celui-là. On ne sait jamais si c'est un TP ou quoi. Je préfère d'abord aller voir le sapin. Regardez comment il est stylé. Ça fait quoi ça, du coup? Attention, ça augmente ma vitesse pendant 20 secondes. Oh, trop bien. Vraiment cool le sapin. Hein. Ok, vas-y, je vais profiter que j'ai un petit peu de vitesse là. Histoire d'aller à la piscine récupérer le cadeau que on avait vu tout à l'heure. Regarde, il est juste là-bas, là, il nous attend. Et lui, qu'est-ce qu'il nous donne? Voilà, voilà, voilà. Ok, putain, elle s'est prise pour une poule, là, Ayano. What the fuck, j'ai rien capté de ce qui vient de se passer. Oh là là, Ayano, elle est devenue bizarre un peu, là. Là, 2022, ça commence mal pour elle. Elle a qu'une pelle, elle est en train de dormir à la neige. Give hug. Mais c'est incroyable. Mais c'est trop bien. Et franchement, je vais suivre de près la personne qui a fait ce mode là. Parce que je sens que là, on a une personne qui est en mode est vraiment calée de fou. Par contre, lâche-moi ce bonhomme de neige là. Je fais comment pour me barrer de là? Mais c'est bon. Elle veut plus le lâcher, frère. Ah, c'est bon, j'ai réussi à m'enlever du bonhomme de neige. Bon, c'était bien sympa. Il y a même un bonhomme de neige au sauna, quoi. Mais vraiment, ils ont osé. La dégaine qu'il a. Ouais, c'est incroyable, c'est trop bien. Là. Je suis comme un gosse là pour le coup, le jour de Noël, vraiment. Ah, on avait un bonhomme de neige souriant ici là. Ils sont un peu différents les bonhommes. Tu vois, genre celui-là il est pas content par contre, hein, parce que il veut pas se faire prendre en photo en fait, tout simplement. Ah, on a le bonhomme de neige intello, en mode intello. Ah, il y a un cadeau ici, un cadeau doré. Hop là, et du coup ça me donne une arme. On a le bonbon candy cane, le sucre d'or. Je m'en vais le laisser, sinon je vais me faire choper. Ah, j'avais pas vu, mais en fait, parce que là depuis tout à l'heure je cherche le cadeau noir et un cadeau rouge ici. Et du coup, lui, il me donne de l'argent en plus. Ah, aussi, un cadeau, là, que j'avais pas récupéré. J'espère que ça va être un cadeau de vitesse. Non, réputation. Trouver un cadeau, là, ça devient compliqué de trouver les cadeaux, en vrai. Je vais pas vous mentir. Ça devient vraiment compliqué. Ok.
Boost de vitesse, c'est parfait ça. En fait, je recherche le cadeau noir, c'est le seul qu'on n'a pas encore eu. Il a un pouvoir spécial, donc j'aimerais bien le trouver. Je savais que j'allais trouver un cadeau quelque part ici. C'était sûr. Wow. Ok, très bien. Merci pour cette animation de qualité, Ayano. Cadeau noir, les amis. Je pense qu'à mon avis, il y a de fortes chances qu'il soit au bout du labyrinthe. Je sais pas pourquoi, il faudra que j'aille checker. Mais je check quand même ici, là, il y a une arme. Et les BG, je crois que il y a pas de cadeau dans le labyrinthe. Je sais pas du tout où est le cadeau noir, pour le coup. Je suis vraiment deg. J'aurais aimé pouvoir le trouver. Je vais quand même tenter un truc. Je vais faire un petit tour avec la caméra, là, pour voir s'il y a pas moyen de mettre la main sur le cadeau noir. Je veux juste aller voir dans les endroits qui sont un petit peu fermés. Déjà, rien que le labyrinthe, tu vois, on peut checker. Non, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment zéro cadeau dans le labyrinthe. Oh, à moins que je me mette en dessous de la map. Et là, peut-être que je verrai facilement les trucs. Ah ouais. Ça, c'est pas une mauvaise idée, ça. Ah, là, il y a un cadeau bleu déjà. Mais le bleu, on connaît. Moi, je veux juste le cadeau noir. Je me dis, il est soit dans le chalet, à mon avis, comme il est fermé à clé, soit dans le chalet, soit dans la pièce avec tous les accessoires qui, elle aussi, est fermée de base. Ça se trouve dans le chalet. Ah non, même pas. Hein. Non, non, non. Ah ouais, mais je sais pas. Je l'ai récupéré le cadeau noir et je l'ai pas vu. Bah non, il y a rien là. Ok, bon, bah merde. Alors, je sais pas où il est. Eh bah écoutez, j'en ai marre, les amis. Il est temps d'en finir. Et d'aller buter quelqu'un, c'est comme ça. Cet énorme sapin de Noël qui prend beaucoup trop de place par rapport à moi. Et c'est ciao. Et let's go. Et voilà, désolé, c'est comme ça là. C'est la faute du sapin de toute façon, hein. C'est la magie de Noël. Merde, non, mais j'ai un sapin, tu ne peux pas m'avoir. Mais non, je vais voir qu'il va y avoir un bug, c'est sûr. Ah ouais, c'était... Non, non, le sapin de Noël a juste dégalé comme une merde. Eh bah, pas de magie de Noël, apparemment. Bon, bah écoutez, franchement, c'était vraiment cool comme mode. Je suis agréablement surpris. Ah, il faudrait que j'aille me renseigner, que j'aille voir si la personne qui a fait le mode n'a pas fait d'autres modes, parce qu'ils sont vraiment très bien travaillés. Il y a plein de choses et tout, rien que les tenues aussi. Il y a un gros travail avec les tenues. Bref, c'était vraiment super cool et ça m'a grave fait plaisir de revenir sur Yandere. Et j'espère que vous êtes contents aussi. La team Yandere, montrez-vous dans les coms, dans les likes. N'inquiétez pas, j'essaierai de faire des vidéos Yandere de temps en temps, mais on espère quand même qu'il y aura des petites updates peu sympas qu'on pourra découvrir ensemble comme avant. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a vraiment pas grand chose. Bref, on verra s'il y a des modes ou quoi qui peuvent être cool. En tout cas, les frites, je vous retiens pas plus. Moi, je vous souhaite encore une bonne année. Je sais que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vous le redis. Voilà, vaut mieux trop que pas assez, comme on dit. Et on se retrouve de toute façon très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ciao, ciao.